Salut, c'est Sandard et bienvenue sur la troisième partie de la session Retro Achievement de Skyblazer. Skyblazer, alors je continue, j'ai fini enfin la fameuse tour avec Dragon Ball Z, Shrine of Destiny. Bon, revoici le vieux monsieur. Le vieux monsieur qui va me donner une nouvelle arme, un nouveau pouvoir j'imagine. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de turning back, je peux pas revenir en arrière? Bah oui. Pourquoi voudrais-je revenir en arrière? Ça n'a pas de sens. Ah bah oui, attention, il faut avoir les 100. Ou 10 vies, je crois qu'il faut... Ouais, il faut avoir 10 vies. Une vie. Oh là là, c'est super sensible. Là, j'en ai eu 3, j'aurai jamais les 10. Hein. Je devrais rejouer au jeu. Quel bordel! Putain, c'est trop sensible! Comment tu veux faire à 100%? Et c'est fini, je n'ai pas eu les vies. Bonne nuit, Priox. Bonne nuit, Priox. Dors bien. Passe à travers les cercles. Merci, Guillaume. je résume. On résume tout, on continue. Alors, je suis ici. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux faire des vies à l'infini? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc on est reparti, j'ai 7 vies, et maintenant voici Ragland Citadel. Et à mon avis, c'est le dernier niveau du jeu. Oh, ça commence bien, scrolling automatique. Avec la musique de James Bond. Putain ! Oui, bah oui, bien sûr. Certaines plateformes ne tombent pas, certaines plateformes tombent. C'est comme ça. Peut-être un peu vite là. Donc on arrête, on se calme. Dégage. Ah mais attends, j'ai le phénix là. Donc j'utilise le phénix. À quoi ça sert? Je peux voler, bizarrement, je vole. Ouais, une vie supplémentaire, vite le phénix. Oh, c'est trop bizarre. Oh mais non, mais à chaque fois que tu fais le phénix, tu retombes. Pas le temps de te gratter. Attends, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je crois plutôt que je vais prendre le dash pour ce niveau. Mmh. Putain, mais comment c'est mal fait. Ok, je perds toutes mes vies. Ça marche bien, navette. Salut, Indahu, je ne t'avais pas vu. Là, je fais pas le dash, sinon je tombe. Là, je peux faire le dash. Là, je peux le faire aussi. On attend, on reste patient. Mmh. Vite. Oh. Non, je vais mourir. Fonce. Oh putain. C'est bon, on y est. On a réussi. Je suis déjà à Dalg... Oh non, boss rush. Mais non, mais t'es sérieux. C'est le même décor.
Ok, bah un petit boss rush, hein. Voilà. Il a l'air plus résistant. Vivement le dragon, bah oui. Tellement amusant. On va dire c'est un jeu moyen. C'est pas la montagne du fun, c'est un très bon jeu. Mais c'est pas non plus le meilleur jeu de la planète, quoi. C'est pas le meilleur jeu de la Super NES. Alors quel est le suivant? Il s'agit de... Oh bah lui! Bah ouais, bah oui bien sûr. Par contre, si je dois recommencer tous les boss, là on va se marrer, on va bien se marrer. Préparer du café. Merde. Oh là là, j'aurais dû me... Vite, on se heal, on se heal. Oh, je l'ai fait pile poil, je me mets là, je ne bouge plus. Mode 7 porn. Dun, dun, dun. Dun, dun. Dun, dun, dun. Allez, on reprend le petit bonus. Cool. Donc là, je tape sur l'œil, je grimpe ici. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de vous spoiler tous les boss du jeu. Je peux donner qu'un seul coup à la fois. Et je crois que je peux taper sur les deux yeux. Je vais tenter, je vais tenter. Donc hop, et... Ok, d'accord, très bien. Bien joué le boss. Est-ce que je recommence tous les boss? Non, même pas. Même pas. Attends, 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 attends. On va s'amuser un peu. Je vais prendre l'étoile. Normalement, je suis plus puissant. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça n'a pas l'air de servir à quelque chose. Non. Et un œil en moins. Attention, se baisse. Attention, saute. On tape dans son œil. Là, je peux plus taper, je comprends pas pourquoi. Attention, putain, ça va plus vite. Maintenant, je tape dans la tête. Pourquoi je peux donner qu'un seul coup? Et voilà. Alors je crois que maintenant, c'est le truc dans les airs, là, dans la tornade. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oh là. Ah mais non! C'est super simple. C'est cool. Allez, venez les petits poissons. Alors on attire celui-là aussi, et maintenant on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, et voilà, vous êtes bloqué.
Ah merde! Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Merde. Attention. J'ai pas réussi à les bloquer. Donc je fais le tour comme ça. Je fais le tour comme ça. Là, ils sont bloqués. Merde. Cassos. Non. J'arrive plus à le faire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais réussi à les bloquer. On bouge plus. Venez. Merde. Vous êtes un peu trop éparpillés. Voilà, regroupez-vous. Et là, ils sont bloqués. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire ça. J'attends petit à petit. Là, je peux même faire ça. Hop. Bloc. Merde, non. Et voilà, on a fini le boss. Simplement. Bravo le vous. Bon, par contre lui je le déteste. Plutôt eux, donc je vais prendre ça. Ah ben non, il y a un boss, il manque un boss là, on est d'accord. Aussi c'est tout pourri. Tant que je tape dessus, il ne me fonce pas dessus. Sac à PV inutile. Ouh, qu'est-ce que tu fais? Change de stratégie. Il a pris pour un con et voilà. En train de farmer des vies entre les boss. Salut Monkey Fusion. Monkey Fusion. Alors attention, ça c'est le boss final. Ashura. C'était pas Ashura, c'était Raglan ou je sais pas quoi. Bon, alors il me traite d'insecte insignifiant et je vais me battre contre lui. Je peux monter jusqu'où? Très bien, donc je vais prendre ça. Mais il a un bouclier, t'as pas vu qu'il avait un bouclier? Réveille-toi. Qu'est-ce que je peux faire? Ça. Non. Quand il se retourne. C'est juste ça, il me fonce dessus. J'ai rien d'autre. Et je tente ça. Non, je le touche pas, j'ai pas compris. D'accord, il faut faire un truc. Que faut-il faire? Voyons. Je peux rien lui balancer, je peux pas frapper dans son bouclier, ça n'a aucun sens. Le phénix? C'est ça? Non, de toute façon, j'ai plus de magie, donc je dois trouver un moyen de battre ce truc qui me fonce dessus.
qui n'a aucune zone d'attaque, y a rien. Mais attends, t'as aucun point faible, toi. Y'a juste un sprite qui vole autour de moi et qui me tue. Très bien, mais c'est quoi le concept? C'est vrai que c'est inintéressant, mais je vois pas. Taper dans la main? Non. Give me five? Non plus. Give me five! Give me five! Non, non, non. Réfléchissons. Qu'est-ce que je dois faire? Ta-na-na-na. Par contre, j'aurais bien voulu me battre contre le dragon. Je suis très déçu. C'est le meilleur combat du jeu. T'as vu ce que je viens de faire? Ah! Mais je peux pas. Mais je peux rien faire! On va tester autre chose. Ça, non. Déjà testé ça, on l'a déjà testé. Ça, on s'en fout. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, mais c'est le phénix! D'accord, le phénix pour lui enlever le bouclier. Très bien. Phénix, j'enlève ton bouclier. Je te tue. Ne t'enfuis pas, mon petit. Attention, attention, t'as plus ton bouclier, maintenant je peux te taper. Non, calme-toi. Recule, je te tape. Attention. Tu peux me faire toucher que deux fois. Je suis invincible, on profite. Ah voilà, une fois, et je me fais encore toucher une fois, c'est fini. Allez, viens. Voilà, t'es bloqué dans le coin de l'écran. Non, 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 non. Oh, à la frame près. Non. Dégage, Monster Munch. Hop, give me five. Non, j'en veux plus, j'en veux plus. Merci. Hop là, je passe en dessous de toi. Je te frappe, c'est pas assez haut. Mais qui est-ce que... Oh là 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 là. Il n'y a plus que cette vie. Pour comprendre. Là, faut en profiter à mort. On s'éloigne. On s'accroche sur les murs. Ah, il faut attendre qu'il s'immobilise, mais... Voilà. Il s'immobilise de temps en temps. Il saute de plateforme en plateforme. Mais putain! Qu'est-ce que c'est que ce boss? T'es obligé d'utiliser ça déjà, tu peux plus te heal, tu peux pas utiliser tes trucs. C'est n'importe quoi. Bon, allez, viens par ici, viens par... Putain! Arrêtez de me suivre! Mais t'es sérieux? C'est quoi ce truc? J'ai plus de mana, bah non. J'ai plus de mana si j'utilise le phénix. C'est fait exprès. C'est pour te vider ta mana. Voilà, je peux plus rien faire. Donc je fais quoi? Est-ce que je peux avoir de la mana autrement? En tapant sur un truc. Y'a rien à taper, y'a rien à faire. Cherche pas. Allez, viens, géant vert. Oh là là. Sky Blasé. Voilà le boss final de Sky Blasé. Ah, mais... Putain, ça te poursuit partout en plus. Voilà, je suis trop petit. Je suis trop petit. Et tu me fonces dessus. Vite. Voilà, là j'ai donné trois coups. Mais...
Coup de poing au visage, coup de pied au visage plutôt. Je fonce sur les blancs. En fait, faut foncer dessus. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Sans parler. Non! Allez, viens, viens. Oh, mais tu te fais toucher quand même! Et voilà, très bien. C'est un boss final, hein. C'est normal que ce soit plus difficile. Voilà, je crois que j'ai compris un peu le masque de collision. Ce jeu, c'est Masque de Collision Simulator. Ah ! Et en plus, j'adore cette musique ! Tananana, 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 tananana. On s'éloigne. Man. Oh, et voilà, et du coup, vous avez vu, parfois il clignote, parfois il ne clignote pas. On est d'accord, je l'ai frappé, il a pas clignoté, donc du coup il m'a retouché. Des balèzes, super balèze, sky balèze. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu me regardes dans les yeux. J'ai pas peur de toi, tu sais, calme-toi. Hein. Tu redescends tout de suite sur Terre. Putain! Cassos! Cassos! C'est bon, tu peux mourir maintenant, je crois que j'ai compris. J'ai compris ton pattern, tu peux mourir. Dire au revoir aux gens. Ce sont les Pac-Man. Les Pac-Man, c'est chiant. Oh, je passe au-dessus de lui. Non. Ta-da-da-da. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Ta-na-na-na. Bon, pas de conneries cette fois-ci. Surveille bien les Pac-Man. C'est les Pac-Man. Le problème, c'est les Pac-Man. Ok, tu t'arrêtes en plein milieu en plus. Ta-na-na-na. Ah, j'ai fait disparaître tes petits Pac-Man. Grâce au pouvoir du scrolling de la Super Nintendo. Tu es blasé? Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Tu es là. Toi aussi, tu utilises le scrolling de la Super Nintendo. Eh bien, non. Ta-na-na-na. Oh. Petite feinte. D'accord, c'est pas une boucle en fait. C'est vraiment une musique. J'ai même le temps d'analyser la musique. Nanana. D'accord, t'as arrêté de me lancer des boules, t'en as marre. Putain, enfoiré. Je veux l'OST du jeu. En CD. En vinyle. Pas de faire foutre. Dernière vie. Na 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 na
Tad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 
Non mais des faux. Putain. Mais ce jeu. C'était quoi ce bug? J'aurais dû m'accrocher. Ok. Ok. Tiens, le truc qui ressort, il n'y a rien du tout. Quelle mort débile, quoi. Tiens. Mais oui, mais toi, non, toi, tu es invincible. Regarde-toi, t'es tout fier, là, en train, avec tes petites pattes. Ça sert à rien de continuer, crève. Voilà. Un petit hommage à Hooper. Non, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Bon, ok. Avec un remix de James Bond. Salut, vieux monsieur. Oui, oui, mais non, mais fous-moi la paix. Je commence à détester ce jeu. Bon. Pourquoi ces temps de chargement aussi, la Super NES? Ok. Oui. Boss rush. Avec Charlie Oleg au piano. Les plus vieux connaissent. Là, on va partir dans le grand n'importe quoi au niveau des commentaires. On va éviter le sel, hein. Parce que je suis diabétique du sel. Vite! Vas-y, balance-moi tes boules. 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 Boum! Allez, en forme de la vie, cette fois-ci on y croit, on a tout compris. Maintenant, oh mais je vais devoir me retaper le boss. Boss pourri. Ah non, mais c'est Elton John. C'est un remix d'Elton John, on est d'accord. Vous connaissez cette... Elton John? Oui, oui, je dis bien Elton John. Merde, j'aurais dû utiliser le dash. Dash. Plus blanc que blanc. Black Belge. Tiens. Non, j'aurais dû. Je ne bouge plus. Mais non, mais non, mais non, non. Fais pas le con, c'est pas le moment de faire le con. Tu tapes dans son œil. Conjonctivite. Boum. Ah. Encore du mode 7 porn. Après, s'il y a Yoshi Island dans ce troupeau, je vois de ça. Non. C'est bien de garder l'espoir, mais non. Cette vie. Oh, bonjour. Je t'avais oublié. Je t'avais zappé de mon esprit.
Je peux taper dans la tête en même temps, très bien. À quoi ça sert de taper dans les yeux alors? On m'explique. D'accord, je peux taper dans la tête, dans les yeux, je peux taper dans tout. Voilà, pour le jour où je le speedrun, je garderai cette technique en tête. Baisse-toi, fais pas le con. Tiens, aïe. Toujours cette vie. On peut savoir ton âge, s'il te plaît, on s'est privé. 34. Je vais mettre ça dans la fac en dessous. 34. Bueno, vamos. Oh, les petits poissons. Allez, venez les petits poissons. Venez à moi. Vous êtes tout petits. Mais vous êtes gros. Ah, on attend patiemment que les poissons se regroupent. Ensuite, on vite. On refait un petit tour. Bon, c'est parce que j'ai dit Elton John, c'est ça? C'est pour ça qu'on me demande mon âge. À 19 ans, tu es trop jeune pour être fan de Benzaï. Naufrague officiel. Tel est ton nom. Bon, il y en a marre. Je me mets là. Ils sont coincés. Je reste là. Mais putain, j'arrive plus à les coincer. Allez, venez. Voilà, on se met là. On ne bouge plus. Tu veux dire? Mais non. On a fait un sondage sur le chat de Benzaï et la majorité ont plus de 25 ans. Donc c'est entre, je sais pas, entre 16 et... Non, attends, la majorité c'est entre 18 et 25, d'après le sondage. Allez, meurs. Pour le blocage des poissons, on va faire le tour, allez viens, venez mes petits poissons, ce bois c'est super, suivez-moi, j'ai un truc à vous montrer, vous allez voir c'est super, yolo. Non, vous m'avez bien eu, j'étais trop rapide, on recommence. Laisse emporter par la vague. Voilà, venez. Et là, on se dépêche vite. Trop tard. Non, c'est pas bon. On se casse. J'ai pas envie de perdre de vie là-dessus. Il y avait encore là. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Si, j'ai compris qu'il y a des poissons. Voilà, on bouge plus. Voilà, je vais faire ça patiemment, tranquillement. Regardez-les, ces poissons débiles. Et voilà. Même faire non, je vais garder de la magie pour le boss final.
Comment je vais faire pour vous bloquer? Mais... Allez, on fait le tour. Ah, mais non, il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Bloqué, blocage, blocage, vous êtes bloqué, c'est bon, on n'en parle plus. Et voilà, j'ai bloqué. Le plus vite, qu'est-ce que c'est chiant. Et voilà, tout simplement. Bon, 9 vies, 71, 71 diamants. C'est quoi la suite? Ah, mais c'est toi! On s'en fout de toi. Voilà, tu me sautes, voilà, tu sautes vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu me lances des pommes, bah oui. Tu me lances des pommes maintenant. Faut pas le lâcher, faut pas le lâcher. Je suis d'accord, Rosalia. Voilà, gros cam qui se tape un Théo. Il le sait en plus que ça me fait chier. Enfin bon. Voilà. Allez, vite. Waouh, 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 9 vies. Là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'il le sait très bien, il le fait exprès. N'est-ce pas, gros cam? Bon, maintenant le boss. Oui, oui, Ashura, va te faire foutre. Allez, gros. Gros. Ah mais attends, attends, je suis obligé de faire le machin du phénix. Hop là, phénix. Vite, éloigne-toi, éloigne-toi. On reste tranquille maintenant. On fait comme tout à l'heure. Ça prendra le temps. Quoi? Mais vous avez vu? Ding. Il était super. Mais attends, il était plus rapide que tout à l'heure là. On est d'accord. Mais calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement fou. Nanana. Ah, c'est quand même pas compliqué comme boss. J'ai l'impression de déjà vu. Le jour de la marmotte. Vous confondez. Dégage, dégage. Oh là là, voilà, Pac-Man. Pac-Man style. Vite. Tananana. Ah. J'ai pas le temps de lire. Bienvenue Shadow Furies. Je sais que vous adorez cette musique. En fait, j'ai perdu exprès parce que je voulais retaper ce boss en fait pour le speedrun parce que je m'entraîne pour le prochain event speedrunner quick game done, je sais pas quoi. Nanana. Je le ferai à chaque fois. Je le ferai à chaque fois. Nanana. Oh putain. Eh oui, touche-moi. Enfoiré, enfoiré, enfoiré. Qu'est-ce que tu fais? Change pas tes patterns! Wow, je suis plus rapide que toi! Je suis Sky Blasé!
Tiens. Non, non, non. Putain. Tu plaisantes, je vais pas mourir. Mais d'accord. Mais d'accord que c'est pas logique si je meurs maintenant. Mais non, mais tu fais d'autres trucs là. Reste sur ta chorégraphie. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on finit le jeu. Heal. En fait, je préfère garder ma mana et heal plus tard. Ah mais non, mais on me dit heal à cause du combat précédent. Bon. Allez, passe. Tananana. Bon, déjà le truc c'est qu'il faut comprendre ça. Ça faut piger ça. Faut le piger. Donc on va se heal à fond. On peut aller sur son bras. Il va lancer le laser. Vas-y, balance ton laser. Je sais que t'as un laser. Non, tu veux me fist. Très bien. Très bien, ok. Tiens, laser, hop, je m'éloigne. Mais comment elle... Peut-être se mettre en dessous du... Mais non, même pas. Il vaut mieux que tu sauvegardes. Oui, Rosalie. Je vais pas relever. Il au moins une fois, même pas. Si. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai pu jouer. Oh là là, c'est hyper simple. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Attends, mais comment tu veux? Le dash peut-être. Le dash. On n'utilise pas le dash, je peux aller là. Mais non, j'ai raté, putain. Je vais perdre toute ma vie. Ça sert à rien, si. Ah mais je suis invincible, trop bien. Ça tu sais pas. Tu sais pas le. À moins que. Attends, je crois que j'ai compris. Allez, vas-y. Allez. Ah d'accord. Et là je dois faire ça. Très bien. Un boss passionnant. Vite. Non, il va me toucher. Ah mais non, mais j'ai pas le temps de m'accrocher. Voilà, là c'est bon. Ok, ben voilà. S'il ne fait que ça, ça va. Évidemment, il va pas en rester là, j'imagine. Très bien. Et voilà. Non, j'aurais pu l'avoir une deuxième fois. Pour le speedrun. Je suis un gros méchant. Ah, raté.
Ah, coup de poing dans la face. Très bien. J'ai 5 vies pour faire ça. J'imagine que c'est un gros sac à PV qui va durer une éternité. Non, non, mais non. Je pourrais pas... Non, je pourrais pas l'éviter. Ah mais non, j'ai pas le temps de... Ah l'enfoiré. Allez, heal. Je fais n'importe quoi. J'ai pas le temps de remonter. Très bien. Donc, je parie qu'il va en rester l'homme. Non, non. On a 4 vies. On va y arriver. Non, non, je fais rien. Là je fais rien, et tu fais un point, qui revient donc je ne tente pas, j'attends patiemment, je suis là au milieu, raté, donc on ne remonte pas, et là on attend. Un coup. Je vais lui donner un coup. Combien de coups faut lui donner? Raté. On attend. Bim. Bim. Gros fist. Là c'est PewDiePie le boss final. Hop. Et hop. On attend. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien que je peux, droit de réponse. C'est-à-dire... Ah, mais non! Saloperie. Ouais, ça va pas. N'oublie pas de te heal. Putain, parfois il saute pas. Non! Non, ah, ok, tu changes de tactique. Très bien. J'ai tout mon temps. J'ai vraiment tout mon temps, j'ai que ça à foutre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... Voilà, un coup de poing. Un deuxième coup de poing. Et voilà. Mais que c'est nul. Je suis désolé de troller sur le jeu. Et bon voilà, voilà ce qui arrive quand on me vend trop le jeu. Zalia n'est pas la seule. Voilà, 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 tu fais des conneries, tu fais des conneries. Non? Le boss est super ennuyeux. Je confirme. Crache pas de boule de feu, rien. À mon avis, après il va me cracher un truc. Putain. Ucodéine. Ah, ah non, voilà.
Connerie. Vite, le heal. Allez, je fais un petit coup comme ça. Sans souci. Non, d'accord. Maintenant, c'est 4. Ce boss sans vie. Oh là, oh là. Connerie, connerie. Oh, t'as plus de yeux. T'as plus de yeux. Je t'ai pété les yeux. De toute façon, donc on va le défoncer, on va le défoncer. Raté. Sky Blasé. Bien voilà, Codéine, le boss final de Sky Blasé. Sur Super Nintendo. Ouais, voilà. Je suis même pas heureux d'avoir fini le jeu. Phoenix. J'ai battu le jeu. Voilà, il s'inquiète pour moi et maintenant je vais surgir du feu, tel un survivant. Je te dis que t'es déçu. Je suis un peu déçu. Un peu. Non, c'est un bon jeu, mais... Il y a mieux, hein. On me l'a tellement vendu, c'est un grand classique de la SNES, tout ça. Donc voilà, ainsi se termine Sky Blazer. Après cette petite, ce petit ending, j'irai voir les achievements restants. New Game Plus. Non, il n'y a pas de New Game Plus. Je crois pas. Deuxième loop. Il y a peut-être un deuxième loop, attention. Bien joué, j'abandonne, je suis crevé. Bonne nuit, Guillaume Staquet. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une île. Sur la carte, il y a une île. J'ai pas visité l'île. Harumi Fujita. Fujita. Asuaki Fujita. Dori Naruse. Din Karuraro, Karuraro. Voilà, vous pouvez trouver l'OST du jeu sur le label Sonic Records. J'ai un moment tôt. Est-ce que je peux diriger le Phoenix? Non. Non, je ne peux pas. Sunder d'Action Verge. Action Verge. Oh, peut-être pas aujourd'hui. Non. Enfin, je sais pas. On verra. Je suis pas très motivé pour faire ça maintenant. Donc, je pense que c'est un truc qui détend maintenant. Alan Becker, le producteur.
Oui, je peux faire un voilà, fast forward, on avance. Merci à tous ces gens, TDDDD. Je respecte pas le jeu. Il y a trop de monde qui a participé à ce jeu. La fin. Donc, les achievements restants. Quoi ? C'est quoi ça ? Attends, il y a vraiment un New Game Plus ? Tu plaisantes ? Pas de New Game Plus. Ah non, il y a Password Start si je fais Start. Voilà, je suis à nouveau dans le premier niveau. Bon, et bien voilà, Skyblazer, c'est fini. J'essaierai de comprendre comment avoir les achievements restants en off. Donc je vais couper la VOD. Merci d'avoir regardé cette vidéo magnifique de Skyblazer et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao !